Salut Jeanne. Salut. Comment tu vas? Ça va. Tu sais, Macomé. Macomé, ton amour. Ouais, Macomé, il a disparu. Tu sais, il a plus de papier, il a raté ses examens. Ouais. Et la préfecture lui a retiré ses papiers et je sais pas où il est. Ça fait 2 jours là, que je le cherche. J'ai envie d'être vivante. D'ailleurs, lui, il est vivant. Il vient peut-être d'un pays pauvre et sale et tout. Bah, il est plus vivant que les 3/4 d'entre nous. Il me rend vivante, en fait. Il me rend triste aussi parce qu'il n'est pas là, mais... Claire, on me dit qu'on vous voit pas beaucoup ces temps-ci. J'essaye de venir, j'essaye de... Il faut pas essayer, il faut venir. Bon, écoutez... Je sais, mais... Quelles que soient vos raisons, vous gâchez pas votre année. D'accord? Avec tout ce que j'ai appris, moi, là, sur ce qui me concerne, en tout cas, je suis plus désespérée qu'autre chose. Mais vous êtes désespérée précisément parce que vous êtes seule. Je suis partie, effectivement, en ce qui me concerne, d'une position de désespoir très très profond. Pour affronter ce qu'on a vécu dans le champ de la lutte contre le sida au début des années 90, jusqu'en gros à l'arrivée des trithérapies, il a fallu qu'on soit vraiment ensemble. Quand j'ai commencé à militer à ACT UP, les malades du sida témoignaient à visage couvert, la voix masquée, et ça entretenait la honte d'être malade. C'était une maladie qui était très profondément liée à la honte. Et cette honte était un cercle vicieux dans lequel s'enfermaient les malades. Ouais. Les sans-papiers, c'est la même chose. Ouais. Les sans-papiers décident de se rassembler et de parler en leur nom. Ils décident qu'on ne parlera plus pour eux. Et ça, c'est une révolution. Une vraie révolution. Une révolution que je crois qu'on ne mesure pas. Une révolution qui a à voir avec la fierté. Autour de cette révolution-là peuvent se construire d'autres révolutions. Mais c'est des petites révolutions. C'est pas le grand soir. Non, mais c'est trouver le juste milieu entre vouloir que tout change d'un coup et le petit bricolage. Et moi, j'ai la sensation aussi que je suis héréditaire de toute cette génération de gens qui ont cru que tout allait changer et qui n'ont pas réussi à tout changer et qui m'ont refilé cette idée que le monde ne changera pas. Et voilà, donc, alors, si c'est le cas... Bah, c'est le cas, je pense. Ouais. Si c'est le cas, il faut vraiment refuser cet héritage-là. Ah ouais. Il faut refuser cet héritage là où c'est une fabrique de tristesse. L'ennemi en politique, c'est la tristesse. L'ennemi en politique, c'est la culpabilité. On rentre pas en politique avec l'idée qu'on se sacrifie à une cause. On rentre en politique parce qu'on peut pas faire autrement. Merci. Je suis d'accord avec vous. Simplement, je vous dis que vous... Tiens, grande question, Bernard. Tes parents, ils étaient engagés, eux? Pas du tout. Oh, merde. Pas du tout. Mes parents l'étaient, mais moi, je pourrais pas l'être. Hein. Moi, j'ai des copains dont les parents sont engagés, et eux, ils sont en contrebalance totale. T'as l'éducation que t'as reçue, et puis après, au bout d'un moment, tu deviens assez grand pour toi-même choisir ce que t'as envie de faire. Ouais. Tu peux aussi être impatient et puis te trouver que ça change pas et que... Enfin, voilà. Disons, dans ces cas-là, tu te mets à militer. Oui, ce qui change, c'est... Pour être trop impatient. Ce qui change, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à faire des trucs. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une logique de grand soir dans laquelle il faut être... Ce qui change, c'est pas qu'un jour, tout va se casser la gueule et se renverser et ça sera un monde meilleur et je sais pas quoi. Ce qui change, c'est que toi, quand tu t'actives et que tu fais des trucs, de toute façon, t'acquiers une qualité de vie un peu moins merdique. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Je vais te culpabiliser, là, d'un coup, de ce que je fais, là, mais... C'était pas le but. Qu'est-ce que je peux faire?